Et salut tout le monde, c'est Link. On se retrouve aujourd'hui pour le 60e épisode du Let's Play sur le jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien, moi ça va. 60e épisode, ce qui fait de ce Let's Play le Let's Play le plus long de la chaîne. God of War Ragnarok était à 59 épisodes. Celui-ci a dépassé désormais les 60 et il va sûrement dépasser bien plus que ça. Et c'est plaisant. Voilà, de voir que un let's play partir aussi loin, même si je sais que pas beaucoup de personnes ne suivent, pas beaucoup de personnes suivent l'aventure. Je m'en fiche. Ok, moi je kiffe faire ça. Je suis content quand je vois que potentiellement des gens commentent, like, compagnie. Ça me fait plaisir quand même. Et moi je suis toujours là, je continue. Et je continuerai encore pendant longtemps, que ce soit pour cette play ou d'autres aventures. Je pense que cette play va arriver jusqu'au 100 épisodes. Ok, vraiment, je pense qu'il peut le faire, hein, parce que quand on voit la multitude de choses qui restent à faire, et au stade où on en est dans l'aventure, je pense qu'il y a encore beaucoup de chances, beaucoup de chances, beaucoup de choses qui nous attendent, et qui nous attendent aussi sur cette chaîne YouTube. Voilà, beaucoup d'autres let's play, aventures, tout ça à venir. Et voilà. Ça me fait très plaisir, comme je disais, d'en être à ce stade-là sur ce let's play. Surtout que ce soit sur un Zelda en fait. Parce que Zelda c'est. Bravo. Zelda c'est ma drogue. C'est un de mes jeux préférés et que voilà, je suis content de faire ce let's play. Et je suis content que ce soit mon let's play actuellement le plus long. Hop. C'est en quelque sorte un. Au moins un bel hommage que je fais à une de mes séries préférées. Donc voilà, un petit peu d'émotion pour démarrer cet épisode. Et je me disais, j'entendais un bruit, mais je crois que c'est un Korogu en dessous, oui, que j'entends. Je vais rééquiper le masque Korogu d'ailleurs. J'avais déséquipé pour hop, être un petit peu plus joli, pas trop. Hop. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va au niveau des abîmes qui se trouvent ici, juste à gauche sur la carte et à droite de moi. Ensuite, on va normalement aux ruines des obscurcies et pour terminer, on essaiera de faire les relais qui nous restent. Voilà. Ah, attendez, il y aura un Korogu. Je vois rien de particulier autour de moi. Le masque réagit plus, donc ça doit être de l'autre côté. Et oui, je vois rien de particulier. Ah, c'est bon. Je suis très content de tourner cet épisode parce que au-delà du fait que ce soit 60 épisodes, ça fait 2 jours que j'ai pas tourné de vidéo. Parce que j'étais fatigué. Du coup, c'est pas mal parce que ça m'a permis de réduire l'écart entre vidéo upload et vidéo record. Comment ça se fait qu'il y ait des mobs là qui dorment? Enfin, ceux-là, on les voit jamais dormir d'habitude. Surtout que là, il y a eu le week-end qui est passé. J'ai donc publié 2 épisodes samedi et dimanche. C'est ce que je ferai maintenant. Hein. Le samedi et le dimanche, il y aura 2 épisodes. C'est le week-end, donc voilà quoi, la folie furieuse. Il doit y avoir un truc là-bas. Je les ai pris en photo, ceux-là. Biche des montagnes, non. On continue de remplir l'encyclopédie. Oh mais oui! Il y a du monde là! Oh là là! Alors là, on se refait un petit stock de viande. Ça fait plaisir tout ça. Ah, c'est un puits qui amène aux abîmes. Ah, c'est pour ça que c'est si petit sur la carte. Oh, ça doit être intéressant du coup. Je pense qu'il doit y avoir un truc intéressant au fond.
Lyon, Daphné. Du coup, il y a des poissons. Ok. Eh ben... J'étais allé à cette mine? Je pense que oui. Ouais, bah honnêtement, je m'attendais à mieux. Ouais, là, oui, il est censé y avoir un coffre, il n'y en a pas. Donc oui, j'étais déjà venu. Ouais, je m'attendais à bien mieux, en fait. Je pensais que c'était un accès un peu particulier et qu'il y aurait quelque chose d'incroyable. Je suis un peu déçu. Bon, au moins, ça nous fait un abîme... Ouais, de visiter. Ah, il faut les faire pour que la carte soit complète. Bon, bah, on ressort, hein. On va pas s'éterniser ici. On va donc aller... aux ruines des obscurcies. Rappelez-moi, je suis à combien de sanctuaires? Je suis à 99, je crois. Oh, oui. Il nous en manque 50 environ. 53 exactement. Et 3 dans le ciel, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. On progresse bien. Ok, quatrième stèle est apparue. C'est celle-là du coup. Exécute la technique secrète du sage de la foudre à la pointe du long corps de dragon qui garde le mont funeste. Hey. Alors, est-ce que ce serait pas ça? Le mont funeste, c'est où? Est-ce que c'est le nom d'une zone? Ça a l'air d'être le nom d'une zone dans les alentours. Alors. Exécute la technique secrète du sage de la foudre à la pointe du long corps de dragon. Garde le mont funeste. Ça doit être un truc comme ça, là, un dragon qui... qui a affalé comme ça. Par contre, moi, c'est le délire de mon funeste que je ne comprends pas. Peut-être un dragon qui regarde une montagne. En fait, je pense mon funeste doit être une zone que j'ai pas d'afficher sur la carte. À mon avis, ouais, c'est peut-être un endroit où un dragon regarde. Et... peut-être de l'autre côté, du coup. Enfin, pour moi, au bout du... attendez. À la pointe du long corps. Pour moi, c'est genre au niveau de la queue, quoi. C'est vrai qu'ici, il y a des mobs intéressants parce que... des compos cool. Pareil, encore un fort, mais après faudrait que je teste un peu partout. Je sens que ça va être compliqué, ça, encore. Déjà, la dernière fois, ça avait été un petit peu complexe. Sanctuaire à proximité. On ira peut-être le faire après, alors. Il doit pas être loin.
Eh bien, merci d'être passé. Ça, on va équiper un matériau d'ailleurs. Bien. Très très bien. Il y a là aussi, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait rien. Et bon, ils ont juste construit différents endroits pour que... pour qu'on soit perturbé. Je pense. Après, je peux toujours essayer. Déjà, faut équiper la madame. Plus, ouais, ça fait 3 pointes. Ça sera intéressant, mais je pense pas que ce soit ça. Ça aurait pu être faisable. Ah, ou alors ce sera un rapport avec le cinquième sage. C'est vrai qu'il y a encore un sage du coup. C'est vrai qu'il faut pas qu'on oublie ça. Un tueur ici. Ah bien? Parfait. Allez, on se refait en arc en plus là parce que... c'est pas trop la folie, vu que j'ai des arcs vraiment pourris sur moi. Bon, j'aimerais bien le trouver là, ce truc. Ouais, faut pas que j'oublie que ça peut être proche d'un... d'un truc comme ça là où il faut qu'il y ait un coffre qui sorte du sol. Donc si je vois quelque chose comme ça aussi, il faut que je le prenne en compte. Bon, là on avait déjà fait, il fallait envoyer Yunobo au milieu, je me souviens. C'est peut-être vers là-bas du coup. Tentez, écoutez. Pas m'en vouloir. Là, il n'y a aucune ruine. À la pointe du long corps de dragon qui garde le mont funeste. Du long cœur de dragon, regarde mon funeste. Je devrais essayer là-dessus en fait. Hein. Bim. Après, la pointe, c'est peut-être la tête aussi. Hein. C'est ça, ça c'est mon souci en fait. Je sais pas si c'est la tête ou si c'est le... bah, le cul, hein. Mais en franc, utilisons des bons mots. Hein.
pour moi, ouais, mon dragon, c'est genre un dragon qui est positionné comme ça, quoi. Mais des deux côtés, il y a une tête, en fait, là. Oula, j'ai encore le jeu... Enfin, mon encodeur qui a pété un câble. Je sais pas si ça vous le fait, à vous. Enfin, si ça vous fait ça un truc bizarre. Je pense pas regarder à chaque fois. Ah, il se met à pleuvoir. On va pouvoir escalader. Essayer là-dessus aussi. Je pose. Ah, je suis pas fan de ces quêtes là à chaque fois. Je suis trop nul pour ça. Peut-être que mon finesse, c'est la montagne de la mort en fait. Ça coulerait de source. Ça peut être lui du coup, peut-être regarde la montagne. Ouais, enfin l'autre regardait aussi, vous me direz. Compliqué toute cette histoire. Quand même, mais après ils ont des têtes des deux côtés, ils sont bizarres ces dragons quand même. Non, c'est pas ça. Ouais, moi je suis focalisé sur l'idée de c'est un dragon qui est allongé au sol, mais ah, ça me paraît trop logique. À la pointe du long corps. De dragon qui garde le mont funeste. Moi, oui, c'est un dragon qui est allongé pour que ce soit un long corps. Ça me gonfle cette quête à chaque fois. On y passe des plombes. Et en plus, il pleut quoi. Alors qu'il pourrait faire beau. Ils ont combiné cela, hein. Parce qu'il y avait un truc avec une obo, mais je pense pas qu'ils vont avoir mélangé deux trucs ensemble. J'aimerais avoir la rage de Revali là pour envoler dans le ciel et avoir une bonne vue. En vrai, je devrais peut-être faire ça, prendre la tour, m'envoler et regarder depuis le ciel. Je vois un truc qui me perturbe. Après, il y a lui, hein. Mais lui, j'ai tiré de l'autre côté. Ça se trouve, c'est devant que j'ai tiré. Des dragons allongés, j'en vois pas beaucoup depuis tout à l'heure. Ok, je vois rien ce qui se passe, on gonfle. Hop hop hop.
Ouais, j'aimerais bien qu'il fasse beau, quoi. Ça aussi, c'est un truc que j'aimerais. On va s'envoler. Regardons depuis le ciel. Si je vais voir un truc particulier. Alors, est-ce qu'on voit un long corps de dragon? Il y a celui qui est dans la vase là, hein. Dans la boue. Ça se trouve, il y a un délire comme ça. Voilà, au niveau de la forêt, il n'y a rien. Il n'y a rien de caché là-dedans. Le truc où j'ai rien fait, c'est ici, au niveau des trois dragons, mais il n'y a rien qui s'est passé. Purée, on a une bonne vue et pourtant je vois rien de ce qui correspond au truc quoi. Ah lui peut-être. Putain c'est lui. Regardez, on suit ça là. Ah putain c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Oui regardez, il y a le. On s'en fout, il y a la stèle. À faire apparaître le coffre. Ok. Bon, on y a passé un petit bout de temps pour pas grand chose. Donc le mont Finesse, c'est bien la montagne de la mort du coup. Ok. Donc, du coup, il en restera un dernier logiquement. Ah non. Ah oui, non, non, c'est cette quête-là qui s'accomplit, oui. Ah, quoique. Ah non, il se passe un truc, je me suis dit qu'il allait peut-être se passer un truc au bout du... Enfin, avec un cinquième sage peut-être, vu que... Il y en a un cinquième, mais apparemment non. C'est juste à côté ça en plus. Oui en plus, j'ai tourné autour de ce bloc tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu. Il me perturbait ce bloc de pierre. Ok, bah let's go. Ça sent une armure, je sais pas pourquoi. Pas du tout. Longue épée crépusculaire. C'est donc épée d'une grande finesse, appartient au royaume d'Hyrule depuis la nuit des temps. Sa lame brille d'une mystérieuse lueur opaline. C'est l'épée de... Ganondorf dans... Great Princess. Ah, c'est pas vraiment son épée, c'est celle de... d'un sage, il me semble. Mais en tout cas, c'est celle qu'il utilise. Eh bien écoutez, elle est stylée. Eh oh, assistant, assistant, es-tu là? Ceci était dissimulé sur les ruines, absolument incroyable. Ah, moi c'est Stella, c'est toi qui l'as trouvé? Quelqu'un a pris la peine de la cacher dans un endroit pareil, c'est qu'elle doit être drôlement importante. Ça y est, j'ai le cœur qui s'emballe. Allons, voyons un peu ce qu'elle raconte. Le dévouement et à la loyauté. En scellant le roi démon, le roi Roru a rétabli la paix sur cette terre. Le roi Roru, c'est lui le roi démon? Le tout premier roi d'Hyrule, celui des légendes? Cette référence au roi démon qui a été scellé, il s'agit du récit de la guerre du sceau.
Oh là là, j'en ai des sueurs froides. Continuons de lire. Au moment d'engager l'ultime bataille, les sages détenteurs des pierres occultes étaient à ses côtés. Quatre d'entre eux étaient des enfants d'Hyrule, ces guerriers loyaux avaient répondu sans délai à l'appel de leur roi. Ce monument a été érigé pour exprimer la gratitude éternelle du peuple d'Hyrule envers ces quatre valeureux héros. Je vois. Donc ces ruines sont les vestiges de constructions bâties en l'honneur des sages qui ont combattu aux côtés de Rauru, le premier roi d'Hyrule. Ce sont des Illyriens qui les ont édifiés par la suite. C'est pour ça que les inscriptions des stèles que j'ai trouvées sont en alphabet hyrulien. C'est une découverte capitale! Qui aurait cru que ces ruines oubliées et pleines de mystères enfermaient une telle révélation? Reste encore un peu ici, le temps de tirer toutes les informations possibles de cette stèle. Ils ne vont jamais me croire au camp de recherche de Kokoreko quand ils vont voir mon rapport. Je m'imagine déjà leur tête. Ah ah, ça va être mémorable! Oups, je ne t'ai même pas donné ta récompense dans tout ça. Grâce à toi, si je peux élucider tous les mystères de ces ruines, merci. Bah, cool. Ah, ouais. Puis ça. Ça, c'est déjà plus intéressant. Vu que tu es venu d'aventure à ces ruines, tu dois aimer ce genre de relique, non? J'ai une côté de ce dont j'avais besoin pour mes fouilles. Alors, je te donne ça pour marquer le coup. Ouais, je vais encore rester ici un petit moment. Si tu veux te replonger dans l'instant. Oh, repasse ma foi. On te sur la route, à bientôt. Ok. Bon, bah, une quête en plus de fête. Et ouais, c'était pas ici. Pour on sait quelle raison. Mais du coup, si je la casse pour la récupérer de nouveau, ça se passe comment? Peut-être qu'elle réapparaît dans le coffre. C'est comme l'arc du crépuscule. Mais l'arc du crépuscule, il me semble que j'ai juste à aller en haut du château des Rules et elle y sera. Ah, juste, il était où déjà le Korogu du coin là? Il est où ton pote déjà? Ok, on va essayer la technique viande attachée à la flèche. C'était une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Non, j'étais juste devant. Bon, au pire, je l'envoie avec un propulseur en fait. Hein. Je veux m'embêter, mais. Mais attendez, utilisons du Picata. On va utiliser un truc particulier. On va utiliser ça, l'éjecteur. Mais je vois rien, il se pose où là? J'espère que c'est suffisant. Ah, il a tapé l'arbre au-dessus. Le pauvre. Mais c'est de la merde, non? En fait, mettez-moi du doute. Éjecteur, ça a pas l'air ouf. Je vais réessayer, mais... Ça a pas l'air fameux, quoi. Aïe. Bon, écoute, on se reverra le jour où j'aurai envie de te sauver. Mais moi, ça me propulse bien, pourtant lui, ça le fait pas. Bon, attendez, je suis déjà obstiné, moi, donc. On va essayer de le sauver, mais bon. Et merde, elle est tombée dans la vase. Ok. Ordrak qui passe au-dessus. J'ai déjà pris en photo Ordrak. C'est chiant. Pourquoi il faut qu'il pleuve tout le temps là, que ce soit moche la météo? Thank you.
Hop! Ça marche bien comme technique, hein? Pas beaucoup! Hop! Ah, il rentre dans les abîmes là-bas. Bien! Oh oui, attendez, je voulais faire le sanctuaire qui m'a vu tout à l'heure. Le jeu qui doit être pas quelque part par là. Autant le faire, hein. On sait qu'il y en a un, donc faut le faire. Car bon, le but c'est un peu de faire tout ce qu'il y a dans le jeu, tous les sanctuaires. Hop. Allez. Ça va pas super vite. Est-ce que c'était une bonne idée de prendre ça? En vrai, on va peut-être quand même plus vite qu'à pied. Surtout, je pense, en pente, genre là, on va peut-être aller vite. Oh, Kuroko encore, tiens, quelle surprise. Et si c'est sur la route, je te prends. Allez, parfait. Heureusement que j'ai déjà un véhicule. Sinon, mon gars, tu seras allé te faire foutre. Surtout que c'est loin. Ah, niveau inférieur, c'est dans une grotte, du coup. Oh, c'est loin en plus, oh là là. Ils les mettent loin à chaque fois. Hein. Et 900 Kurogu, ça va être une tannée. Hein. Les 1000 Kurogu, hein, on rappelle. Ça va être une tannée, parce qu'avec tout cela, il faut ramener à leurs potes. Quand tu vois à quel point c'est loin des fois. Et un coffre. Très bien. Cinq convoyeurs. Voilà qui fait plaisir. Ok, donc il doit y avoir une entrée de grotte dans le coin, je pense. Ils ont des chevaux. Et on voit un rumi en plus. Oh, il y a du monde. Attendez, faut que j'attache un truc à mon épée. Et on va attacher ça.
Attendez, mais il envoie des mecs? Et il m'envoie des gens. C'est nouveau ça. Tenez-vous la tronche. C'est parfait. Oh merde, j'ai pris cher. Oh, j'ai pris un petit peu cher. De fait. Et t'as le Rumi qui est toujours là, dans le plus grand des calmes. Et de la viande là. Hop. Ah, ça, on va y casser. Royal, mais vous êtes chiant. Ok, donc là-dedans. Non, mais... Voilà, parfait. Très bien. On se fait des compos un peu. Alors, grotte du lointain. Oula. On joue pas là-dedans. Hein. Ok. Bien joué. Il est temps d'équiper une tenue un peu utile. C'est incroyable de jamais voir les trucs à l'écran. Ok. Putain, je suis nul. On se voit que je les aime. Ok, génial.
Un esquive. Ok. Par contre, il y en a d'autres, j'en entendais d'autres. Il y en a d'autres là-bas au loin. Oh, ça a sympathique comme grotte, ça encore. Long bâton militaire. Mais ça passe super loin. De Sylvain. Alors on va casser avec avec ça. Oui, je me soigne pas, je suis comme ça, je suis un ouf. Il y a un sanctuaire, on va te soigner dans le sanctuaire. Si je meurs pas avant. Attendez, il y avait un autre chemin là-bas. Parce que je sens que c'est un cul-de-sac, je sais pas pourquoi. J'ai pris le chemin qui partait super avant. Ou alors ça tourne en haut. Vous avez entendu? Il y a des lusistes là dans les parages. Je l'ai entendu. On va peut-être se soigner en fait. Tu vois que j'ai failli mourir contre des chauves-souris qui sont juste en feu. C'est qu'il y a un souci. Usis. Très bien. 17. Ok. Mon ceinture doit pas être loin, je pense. Ah mais... What the fuck? Attendez, mais je comprends rien à la grotte. Je pensais que je revenais au niveau de là où j'ai trouvé mon premier coffre. Mais je comprends jamais rien à ces grottes. Je me gourde de boutons depuis tout à l'heure, bonjour. Donc ok, le sanctuaire est là. Et là, du coup, de l'autre côté, ça doit rejoindre. Ah mais...
putain, mais j'ai pas du tout vu ce chemin tout à l'heure. Quand j'ai tourné. What the fuck? Mais ouvre les yeux, mon gars. Ok. Bon, bénédiction. Probablement. De toute façon, il n'y a que ça. Hein. La moitié du sanctuaire du jeu, c'est ça. Oh, dis donc, quelle surprise. Incroyable. Et notre 100e sanctuaire du coup. Très bien. Plus que 52. Ah, du coup, je veux juste vérifier un truc. Pour être sûr que mon cerveau a bien compris comment la grotte fonctionnait. En face, là, ça rejoint... là où ils étaient. Ok. Très bien. Du coup, maintenant, ce qu'on veut, faire les relais qui me restent à faire. Donc celui-là et celui en haut à droite. On va aller... c'est vrai qu'il y a un sanctuaire aussi quelque part dans les parages ici. Écoutez, je pense... je voulais partir depuis la tour, mais je me dis qu'en partant depuis ici, je peux peut-être tomber sur des trucs. Des sanctuaires et tout, genre là c'est tout vide de bien y avoir quelque chose. On va partir depuis ici. C'est vrai que je peux me servir de la carte, enfin de la carte, des profondeurs pour potentiellement trouver les sanctuaires. Après des sanctuaires, enfin des racines j'en ai que 44. Les sanctuaires j'en ai 100 donc. Probabilité que j'ai des racines de sanctuaire que j'ai pas trouvé est assez faible. Et on va profiter pour donner des silex à ce type. T'auras pas une quête toi? Ouais, je suis senti venir celle-là. Bienvenue! C'est un meilleur restaurant de steak en tout Hyrule. À pierre en fusion. Ça dans les papiers aussi bien des gorons que des lyres. Si tu veux manger un steak, tu peux choisir un des plats poyens qui se trouve sur la plaque de cuisson. Je veux dire, je suis constant que tu sois un lyre. Je suis à court de gigot de caillasse et j'ai beaucoup de mal à servir un client gourou. Va aller chercher moi-même, hein. Je suis dans un sacré pétrin. Je vois. Allez, je vais lui en donner. Je dois en avoir pas mal, hein. Et il en a. Ah! Ah merde! Ah bah non, c'était pas mieux. Attendez, il m'en reste combien? Il m'en reste 66. Bon, vas-y, je suis en donne 50. Il a dit qu'il y en a une sur 100. Qui est mûre. Donc logiquement, si je suis en donne 50, il y en a une qui est mûre. Si on suit sa logique. Ok, génial. Tu m'as totalement arnaqué. J'en ai plus que 16. Génial. Mais du coup, il est bien gentil avec son gigot là. Mais il voudra que je le cherche où? Au niveau de la grotte où j'étais allé la dernière fois, vous pensez? Non, on va lui reparler. Le miracle né de la terre, c'est une roche à manger de premier choix, absolument vital pour les gourons. Je tirerai mon wagonnet jusqu'aux grottes pour pouvoir m'en procurer des tas. Parce que cette précieuse roche à manger est très dangereuse même pour les gourons. Mmh. 140 rubis pour t'acheter des viandes grillées? Non mais va te faire foutre mon gars.
Bah donc faudrait que je retourne dans la grotte là pour aller chercher Gigot de Caillasse. Ah attendez, y a pas un délire de je peux faire réparer mes armes là? Ah oui, alors j'ai lu, apparemment eux ils réparent les armes en fait. C'est pas qu'ils peuvent réparer les armes. Oui, yes, ils réparent les armes apparemment, du coup. On fait voir? Tu peux réparer ça, c'est abîmé, je voyais. Je me fais niquer à chaque fois. À chaque fois, Babil lui tire dessus et je me fais niquer. J'ai pas de racines dans le coin, donc il n'y a clairement pas de sanctuaire à trouver de cette manière-là. Il y a plein d'oiseaux là, il doit y avoir un truc, non? Ou pas. Là-bas, il y a un sanctuaire, mais c'est juste à côté du relais, justement. By the way. Faudra qu'on fasse les labyrinthes aussi. Ils font partie des peu de sanctuaires qui me restent à faire dans le ciel. Moi du silex, faut que je me refasse en silex là à cause de l'autre enfoiré. En plus il te fait des feintes quoi, c'est un enfoiré. Il te fait croire qu'il a trouvé un bon silex, en fait pas du tout. Du coup logiquement si tu lui en donnes 100 par contre il t'en trouve un, parce qu'il a dit que c'était 1 sur 100. Du coup, j'ai pas trouvé de sanctuaire ou quoi que ce soit avant. Tristesse. Hop. Du coup, il joue ici? Ah oui, tiens. Ah, il doit jouer dans tous les relais en fait maintenant, si ça se trouve. Un diamant, comme ça, tranquille, dans un truc normal. Ah, il y a une grotte là. C'est sympa de trouver Coltine. Alors, le pouvoir du vent. Déjà, il y a un coffre là-haut. Hop. Fait plaisir. Moi, je pense qu'il faut faire un truc comme ça. Et c'est bon. C'est tout? Ah ouais! Ah putain! Elles sont pas fait chier!
Un truc à faire tourner et puis hop, le sanctuaire. Il fallait mettre une bénédiction hein, si vous vouliez faire ça. Franchement, il n'y avait pas de, il y avait aucune réflexion à faire. Il y avait juste deux pourventilateurs à poser. La blague. Ok, bon, on va aller voir la grotte à côté. Ah, mais c'est pas du tout une grotte. C'est juste un chemin. Ok. D'accord, y'a absolument rien. Bizarre ce campement, non, avec rien. Y'a un chien, mais y'a personne. Ah, je sens que c'est chiant ça. On va peut-être les faire. Oui, ça peut le faire. C'est bon. Ok, bon, allons voir le relais. Je t'ai rien demandé. Calme-toi. Déséquipé d'ailleurs parce que c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Ah, il lui manque un chien, c'est ça? Elle va demander à ce qu'on lui ramène. Ok, pas du tout. Ça, c'était bon toutou. Allez, venez voir maman. Tiens, un homme vêtu se fait plaisir de tomber sur un voyageur normal. Faut rester vigilant, il se passe des choses pas banales dans le coin ces derniers temps. Surtout qu'une bande d'hurluberlus en slip a posé ses bagages au relais du pied de la montagne. Inouï? Alors je reste dehors et je m'occupe des toutous loin de toutes ces inepties. What the fuck? Et tout à fait, regarde un peu ces petits garnements. Ils sont si adorables. Mais ils sont aussi très doués. Ils possèdent un talent unique. Leur dora exceptionnelle leur permet de dénicher des trésors. Pops, ils ne font pas ça pour n'importe qui. Attention, ils marchent à la fête. Hein, ils marchent à la fête. Le brave toutou prend le temps d'apprivoiser un chien et donnant de la nourriture qui lui plaît. C'est pour qu'il t'aille trouver des trésors en route. Oh là, mais ça va être si cool, justement, je perds un certain temps quand je m'occupe des toutous. Ok, je te conseille de rester au relais pour prendre un peu de repos. T'es en train de dire qu'il y a des gens à poil qui se baladent. Ah oui, effectivement. Oh Link, tu vas venir nous voir jouer. Ton soutien sans faille ne passe pas inaperçu. Tiens, puisque tu es là public, je vais te révéler quelque chose. On raconte que le secret de la beauté des grandes fées serait les matériaux de monstres. Enfin, t'as des remèdes qu'elles avalent ou qu'elles s'appliquent sur la peau et mangent-elles tout cru? Personne ne le sait. Mais si tu reçois la bénédiction de grande fée, tu devrais préparer des matériaux de monstres de diverses espèces et puissances, ça pourrait te servir. Ensuite, j'ai arrêté d'agiter ma baguette. La musique va s'arrêter. Tiens, il ne me regarde pas. Hey! Ah, partenaire, t'as vu les hommes en sous-vêtements qui sont en train de s'installer au relais? Personne de confiance m'a dit que ce sont des membres du groupe d'archéologie Sonao. C'est la princesse Delda qui leur a demandé de se vêtir ainsi. Avant, on croisait toujours des tas de voyageurs en route vers le village Goron par ici, mais depuis qu'une nouvelle route a été ouverte, les gens de passage et les monstres ont pris leurs aises. Tu vas dans un coin pareil en sous-vêtements, c'est une sacrée prise de risque. Je n'arrête pas de le répéter. Mais personne ne m'écoute, hors de la princesse Zelda, voilà ce qu'on me répond. Même que certains aient jugé bon de partir en inspection avec le ventre et les pattes à l'air. On dit qu'ils voulaient aller voir un repère de monstres qui se trouve un peu plus loin sur ce sentier. Et puis, aucune nouvelle. Je te mets à croire que la princesse Zelda ait pu donner un ordre pareil. Moi, je dis qu'elle est aiguille sous roche. Anguille, pardon. Anguille sous roche, ça pourrait valoir le coup d'écliter. Mais qu'est-ce que vous faites tous à poil là? Voyageur, tu te demandes sans doute pourquoi nous sommes tous en sous-vêtements? Bah oui.
Un pagne, et rien de plus. Parce que les nouveaux membres du groupe d'archéologie Snow ont le droit de porter quand ils font sur le terrain. Je veux bien, mais bon, déjà que j'ai pas de quitter le royaume sans équipement, alors aller dans un repère de monstres, non merci. Et au bout de cette route de montagne, je dis à Jonas et Vaienne de revenir au moindre danger. J'espère qu'il n'aura rien arrivé. Mais vous êtes chelous, les gens. Pas que ça compte. Piaf piaf, sain et sauf. Ça fait longtemps ça. Ok. Ah, mais d'accord, mais c'est, ça date ça, hein, tout ça. On se mettra à la page. Ah, vous voulez quoi en photo? Un portrait du prodige d'Aru. Faut prendre photo à la statue du coup. Il y a une seule statue de lui au sommet de la montagne sur le village. Même si je veux la peindre, c'est qu'il faudrait que je la voie. Un petit point relais. Attendez, il parlait de quoi? Ah merde, je sais pas. Je crois qu'il parlait peut-être de la divinité Ekin, mais j'ai un doute. Est-ce qu'il y a un Korobu en haut là? Apparemment non. Apparemment il y a un Korobu dans le point, mais... Ah, le masque réagit plus. Donc c'est qu'il doit être de l'autre côté. Effectivement. Donc quelque part ici. Ah, d'accord. Mais c'est loin, mais vous déconnez là. Non mais j'ai la flemme, c'est trop loin. Ah mais c'est pas du bois? Ah non oui c'est du métal. Pas sûr que ça flotte là. Ouais non. Hop! Violet. Là-bas est trop loin. Il est parti super loin. Mais what? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Quelle mouche l'a piqué? Voilà, ça s'est cassé, c'est fait. Ah.
Et du coup, rien de plus dans les parages? C'est le premier puits où il y a une échelle, je suis en train de capter. Ok, je sais que ça a l'air bizarre, mais je peux tout expliquer. On n'est pas des tarés, je t'assure. Tout le monde nous évite, même la fille du relais, elle a couru se cacher derrière l'auberge. Mais je t'assure qu'on fait partie du groupe d'archéologie Snow, nous sommes en mission, c'est du sérieux. Mais réveillez-vous un peu les gars, vous êtes vêtus. Non, vous vous êtes vus, évidemment que vous avez l'air taré. Tu peux pas dire ça, putain, aux ordres de Dame Zelda lui-même. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? J'ai rejoint tout le monde en retard et quand je suis arrivé, ils étaient tous dans cette tenue. Pourquoi Dame Zelda leur a donné une consigne pareille? On va aller voir là-bas. C'est... des tarés, hein. Attendez, du coup, j'ai envie de faire un test, par contre. Je vais tester des choses. Eh, ça va pas bien ou quoi? Hors de ma vue, ma autre truc. Va te rhabiller, oust! Toi, tu dis un truc? Bon, ok, on va se rhabiller. Bon, allons voir... là-bas, du coup. Ah tiens, il y a lui là. Ah d'accord. Alors honnêtement, pour moi c'était bien ce que je faisais. Apparemment, bah c'était pas bien. Ah merde. Ah puis il va réussir à le repasser dans le trou sans problème. C'est peut-être mieux dans ce sens en fait. Ok bon. Donc je me concentre sur ces panneaux. À chaque fois j'échoue et du coup les essais d'après je fais n'importe quoi parce que ça me... Parce que ça me gonfle, voilà. Non mais c'est chiant ces trucs aussi, hein. Faut dire ce qui est. C'est chiant. C'est bon. Aucune galère. Ok. Merci bien. On est bien d'accord que c'est par là qu'il y a un camp de monstres.
Bourgou dans les parages. Là-haut. Mais donc c'est par là le camp monstre? Non mais faut arrêter hein, de tous vous mettre loin là. Oh là là, j'ai la flemme. Il faudrait que je fasse un bateau quoi. Ah non, là j'ai une flemme mais astronomique hein. Ah là il y a un camp monstre, ok. Ok, ils sont là, les nudistes sont ici. Nos instructions d'MZ. Allons-y, j'en ai as. Sont plus fort si on y va ensemble. Je compte jusqu'à 3, t'es prêt? 1, 2, 3. Et bah alors, j'en ai assez, pourquoi tu vas pas? Et toi, t'as pas bougé non plus, je te ferai remarquer. Vous faites quoi là? Ah, c'est juste un voyageur, je croyais que c'était un monstre. Nous menons actuellement des recherches sur les monstres qui nichent dans cette grotte. Comme tu peux le voir, notre équipement est comme qui dirait plutôt minimaliste. Malgré toute notre bonne volonté, nous n'arrivons pas à faire le premier pas, et les recherches n'avancent pas. Cette dame nous a demandé de sortir au grand air pour faire travailler notre corps de concert avec notre tête. L'idée d'entretenir un esprit sain dans un corps sain, si j'ai bien compris. Étant pour vous d'aller sur le terrain ne portant qu'à panne. Il me promet ce qu'elle a dit. Nous sommes une simple équipe de recherche. On n'a déjà pas approché des monstres avec le meilleur équipement du monde, alors en quels sont, tu penses bien? Comment quelqu'un pouvait nous montrer comment il faut s'y prendre, on se sentirait vraiment démuni. Je veux bien essayer. Vraiment? Évidemment, tu vas devoir enlever tes habits et tout ton équipement toi aussi. Ça me va. Je veux plus garder tes habits et ton équipement. Ok. C'est quoi cette quête encore? Renseigne quand tu veux tout récupérer. Nous, on n'a pas trop confiance en nos petits bras, du coup, on va te regarder ici. Ok. La discrétion est de mise. Honnêtement, je pensais que ça allait le tuer. What the fuck? Je viens de découvrir un glitch? Attendez. Est-ce que j'ai découvert un glitch? Attendez, si vous faites une esquive, alors que ça peut vous faire sortir à paravoile. Vas-y, là ça, on est un peu en hauteur. Ah mais ça a pas marché. Mais il faut que ce soit une esquive arrière. Je vais retester là ce qui vient de se passer. Évidemment il va plus faire d'attaque latérale parce que ce serait trop bien. Mais putain! Dégage toi! Ah mais vous êtes chiant. Depuis tout à l'heure il fait la même attaque et là il a plus. Je vais péter un câble. Allez, allez. Je vais retester. Non mais j'arrive plus. Mais ce qui est génial c'est qu'ils font plus la même attaque. Vas-y ça me saoule.
Ça me saoule qu'il y a des trucs comme ça qui marchent pas. Oh là là, c'est un truc de ouf. Avant que j'ai trouvé le spot pour essayer, il faisait que la même attaque. Une fois que j'ai trouvé le spot, il a arrêté. Génial. Ah, mais j'aimerais bien refaire. J'ai l'impression que j'ai trouvé un glitch qui permet de se boost. Ok, bon. T'as survécu? Oh. Je les ai vaincus. Quoi? Tu veux dire que tu as réussi à vaincre ces monstres en ne portant que des sous-vêtements? J'aimerais que ton compagnon entende ça. Tu veux bien aller au relais du pied de la montagne, tout le monde s'y attend. On te doit une fière chandelle. Tiens, il est temps que je te rende ton équipement. L'amour de la princesse. J'ai envie d'aller voir là-bas s'il n'y a pas un truc. Ça pas mal de trouver d'autres sanctuaires là. Ah, alors ça, j'ai vu quelqu'un dire qu'en fait, il avait réussi à le résoudre en plongeant ça sous l'eau. Et en fait, la pression va faire remonter. C'est ça. Et oui, c'est pour ça que c'est toujours dans de l'eau. C'est du génie, la physique, elle est trop bien faite. Et oui, ça fait remonter, et ouais, du coup, ça décroche l'autre. Ah, sanctuaire, parfait. Probablement au niveau de la grotte, que je serais pas étonné. Ah non, ça doit pas être au niveau de la grotte. Quoique, ça pourrait. On va aller dans la grotte, dans toute façon. Alors... Ah oui, attendez, j'ai de nouveau ça. Un petit coffre. C'est plaisir. C'est là sans tuer en fait. C'est Yonobo. On revient s'il vous plaît. Merci.
Oh, le nombre d'espadons rouillés qui viennent d'apparaître. Ça part loin là. Non mais j'allais t'utiliser là, pourquoi tu disparais? Je garde mon calme. Ils sont apparus de l'autre côté en fait, d'accord. Tout va bien. Je garde mon calme. Ah oui, ça casse là, en même temps. Y a je sais pas combien d'épaisseur. On va casser là. C'est en dessous là. Pas attrapé, mais il est dans la lave. Et putain, non mais c'est du troll. Mais quelle idée. Mais t'es pas un putain d'Elysis au-dessus de la lave, je peux pas récupérer le truc moi du coup. On peut pas attraper avec emprise. Moi je vais me noyer dans la lave. Hop là. Quelle idée. Super intelligent les devs là sur le coup. Bravo. C'était du génie. Ok bon, bah, j'ai bien fait de venir ici du coup, c'était pour l'Elysis. Y'a pas un délire si on a l'armure de Goron. Attendez, c'est pas comme ça que ça s'appelle ça. L'armure anti-feu, je sais pas comment ça s'appelle. La tunique de pierre, voilà. Si on a la tunique de pierre à fond améliorée de niveau 2, y'a pas un délire d'on peut marcher dans la lave sans se faire brûler. Y'a moyen. Déjà, je pense que améliorer. Full set amélioré niveau 2, je pense qu'on prend plus de dégâts de feu, tout court. Et Yunobo, allô? Ok. Eh, je viens de tourner en rond là. Nice. Ça doit être là. Le sanctuaire doit être là. Oh non. Non mais pourquoi vous faites ça là? Il faut que je récupère un autre espadon là. Ah oh, bordel, pourquoi ils ont fait ça? Alors que je ramène un caillou à la con là. J'espère que c'est toujours dans la grotte, hein, et que c'est pas genre dehors. C'est de l'autre côté de la lave, là, je pense. Bonheur. Put
Waouh. Ah, vraiment incroyable. Vraiment, merci. C'est ce que je recherchais, un bouclier rouillé. Bien évidemment. Ok, bon. Logiquement, ça devrait bien se passer. Après, ça, c'est dans la logique. Après, enfin, pratique. Ça va rester à voir. Rien là-dessus, non. Très bien. Oh, on est déjà si long dans l'épisode. Ok, on retourne au relais après et fin d'épisode. J'ai l'impression de rien faire dans les épisodes. Et pourtant, je crois qu'on a fait 3 sanctuaires. Non, c'est le quatrième là même. Un troisième, je crois. Oui, ça va être notre troisième sanctuaire du jour. Alors, on a accompli la quête des obscurcies. On va faire une quête de relais. On a découvert un relais, en plus on va faire la quête du relais. Non, en vrai, on fait des trucs. C'est juste que des fois, je passe 10 minutes sur un cours au goût, quoi. Voilà, voilà. Oui, alors non, faut que je récupère pour avoir le coffre de complété pour ce sanctuaire. Vous vous rendez compte que le seul sanctuaire où j'ai pas le coffre, c'est le tout premier qu'on a fait. Je vais le garder, du coup. Le tout premier sanctuaire, j'ai pas pris le coffre parce que j'avais oublié qu'il y avait des coffres. Et que je l'ai pas vu apparaître sur mon écran, donc oui, j'y pensais pas. Très bien. On se fait plaisir d'avoir trouvé un sanctuaire en plus dans la Pampa. Hop. Ça me permettra de trouver des racines dans les profondeurs plus facilement. Arrive là. Oh, te voilà. Hey, tout le monde va, c'est la bonne âme qui nous a rendu service en éliminant les monstres revêtus d'un simple caleçon. Je t'en prie, dis-nous tes secrets pour combattre en sous-vêtements. À ce sujet, je veux savoir pourquoi vous êtes tous en sous-vêtements. Tu n'es pas au courant, c'est un ordre de la princesse Zelda, bien sûr. Elle nous a dit mot pour mot, il est temps pour vous d'aller sur le terrain en ne portant qu'un pagne. Moi aussi, je suis sûr... Hein, moi aussi, je suis ici pour faire des recherches sur les ordres de la princesse Zelda. Elle n'a jamais dit de les faire en ne portant qu'un pagne. Elle dit que c'était une importante campagne, non? Quoi? Alors, on a passé tout ce temps à faire des recherches en sous-vêtements sur un simple malentendu. C'est sûr que c'est pas commun. Mais ça a du bon. Ça a du bon de travailler au grand air, non? Non, enfoncer aussi bien notre corps que notre esprit, comme le voulait Dame Zelda. Mais j'ai l'esprit, j'ai que demander de plus. Je propose qu'on retourne à nos postes et qu'on reprenne les recherches en ne lâchant rien de cette légèreté nouvelle. D'accord. Je vois, comme je le supposais, il y a bien une explication logique derrière tout cela. Intéressant de noter la ténacité avec laquelle ils ont subi des ordres pourtant absurdes. Décidément, la princesse Zelda a un vrai talent pour convaincre les gens. Alors faisons les comptes. Nous avons fait la lumière sur 11 rumeurs en rapport avec la princesse.
Tu connais toutes les ficelles du métier à présent, tu as mérité une place officielle au sein de l'équipe. Va taper, simplement mérité, c'est ce qu'on dit, petit à petit. Ah. Une prime. Bah, pas tous les jours, je te conseille d'accepter sans faire de manière. Oh, 100 rubis. En plus, allez, j'ai fait écrire mon article. Oh non, ah. Pour l'amour de la princesse. Bonjour, bonjour, monsieur le voyageur. De plus en slip avait posé ses bagages au pied de la montagne ces derniers temps. Ils disaient ce qu'ils voulaient, mais ils ont fini par dégapir. On dirait que quelqu'un s'est chargé d'avoir touché un mot ou deux sur l'accoutrement. Et je leur remercie. Là, je peux m'occuper de toutou en toute quiétude. Ah, mais peut-être que le toutou là-bas, il a un trésor en fait. On va aller faire ça. Parce que je trouve ça bizarre qu'il y ait un chien tout seul là-bas, mais si ça se trouve, il a un trésor incroyable. Et bon, pour rappel, moi ça a jamais marché quand j'ai voulu. Ou bien un trésor. Ah, mais il y a des gens. Ah, mais ils étaient là tout à l'heure. What the f... Mais il y a une grotte. Mais what the fuck. Mais qu'est-ce que j'ai branlé. Je suis passé à côté, j'ai tout raté. Et c'est un trésor de Vanda, ça, en plus. C'est toujours rien. On a un temps fou de les ouvrir un par un. On a déjà marre. N'importe lequel on ouvre, c'est toujours des rubis verts. Je me demande si on se moque pas de nous. Un problème. Attends un peu, Prisane. Encore toi, c'est pas vrai. Arrête d'épier nos conversations. Hey, qu'est-ce que tu nous veux, toi? Attends, tu serais pas à la recherche de trésor de Lambda par hasard? Mais enfin, tu vas fermer, Prisane, ne lui dis rien. Mince, désolé, Frangin, j'aurais pas dû évoquer le trésor de Lambda. Le trésor de Lambda? Eh là, va pas t'imaginer que tu vas pouvoir tout rafler sous notre nez. On dirait qu'il trouve le trésor de Lambda parmi tous ces coffres, il y en a beaucoup trop. Ouais, c'est pas faux. D'accord, toi. T'as qu'à fouiller là-bas. De toute façon, même nous, on trouve rien. Alors, un amateur comme toi, ça va faire de fin limier pour débusquer le trésor au milieu de tout ça. Oh, mais oui, Frangin, on pourrait filer à manger un chien pour qu'on devienne copain et nous trouver le trésor? Sérieux, deux minutes, Prisane, on a un vrai problème là. Ok, donc c'est à ça qu'il s'arrache. Ok, donc là-dedans, si je comprends bien, il doit y avoir plein de coffres, c'est ça? D'accord, bon, on fera ça du coup dans le prochain épisode parce que là, on est long. Et oui, du coup, je suis totalement passé devant. Champion. Donc, du coup, on va faire ça, comme je te disais. J'espère que ce 60e épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde. Bye bye.